Bonjour, bonjour les amis. Quelle fut pas ma surprise en rentrant de Paris chez ma tante. Non, c'est pas ça. Non. Comment c'est le nom du passage, là, chère Christine? Passage de l'avenue de Verdun. Ah, le passage de l'avenue de Verdun, entre l'avenue de Verdun, mais on tombe où là-bas? On tombe rue du Temple, Henri Murger. Bonjour Christine. Oui, alors ça... C'était pas prévu. Hein. Pas prévu du tout. Non, et puis et c'est... Je n'aime pas du tout. Voilà. Oui, mais sinon, vous n'auriez pas accepté. On présente David, qui vient vous aider de temps en temps. Voilà, vous. C'est un copain qui vient nous aider. C'est un copain, attention, hein, parce que sinon, c'est travail illicite, ça, interdit. Hein. Mais il vient, voilà. Non, ça va, David? Ça va, nickel. Voilà, maintenant, je me suis fait un nouveau copain. Voilà. Et puis, figurez-vous que je vais voir Julie. Bonjour, Julie. Ça va? Bonjour, oui. Hein, vous avez vu que vous préfériez pas me voir pendant plusieurs années. Hein. Oui. Tout à fait, on était tranquille. Hein, alors non, c'est pour faire plaisir à Christine, parce que figurez-vous, Christine, c'est la reine des pantalons stretch. C'est vrai, Christine, vous en faisiez avant tout le monde. Oui, tout c'est à pas fait. Vrai C'est vrai, c'est bon. Vrai. J'en ai toujours fait. Elle a pas envie d'être prise, alors je vais prendre son petit champignon d'amanite phalloïte là. Voilà. Alors, non, c'était pour annoncer quand même que je vous signale que Noël est fini. Hein. Qui c'est qui collectionne les santons? C'est moi. Je l'ai depuis. Oui, c'est vrai, vous l'aviez là-bas. Vous étiez rue du Petit Port, Christine. Et puis maintenant, vous êtes avenue de Verdun, où avant il y avait Paoli Repro. Oui, et puis il y avait la brocante avant. Ah, il y a eu la brocante entre deux. Entre deux. Julie, vous pouvez faire moins de bruit, s'il vous plaît. C'est pas, qu'ici, là. On associe vêtements classiques et la retoucheuse Julie. Julie retoucheuse. Voilà, je fais juste un petit tour, je vous laisse faire l'ourlet. Voilà, la boutique est grande, il y a des chemises. Il y a beaucoup de lingerie féminine, hein, Christine. Moins que pour l'homme, j'ai beaucoup pour homme. Ah, beaucoup de lingerie homme. Chaussettes. À l'entrée du magasin. C'est magnifique parce que vous avez agrandi. Bougez pas trop, Christine. Non, je bouge pas. Les maillots de bain. Là, c'est la saison des maillots de bain. Oui, tout à fait. La lingerie. Et je vais prendre l'entrée. Hop, hop, hop. On va prendre l'entrée. Voilà. Côté avenue de Verdun. Vêtements classiques, Julie retoucheuse. Bonjour, madame. Maison du caoutchouc. L'ancienne maison du caoutchouc. Et ben voilà, c'est un petit clic-clac commerce. Je vois au loin Christine Perrollet. Combien d'années la maison du caoutchouc? 36 années. Tiens, je vais vous prendre des petites soquettes labonales aussi, c'est les meilleures. Hein. Voilà Christine, merci de votre accueil. C'est une maison atypique, 35 ans. 36. Figurez-vous que quand j'étais petit, on habitait avenue du Petit Port. Avec ma maman, on venait à la maison du caoutchouc acheter nos bottes en caoutchouc. Ouais. Bon. Alors, c'est le petit castor. Oui. Castor. Ah oui, c'est une marmotte. C'est la petite. Ouais, voilà. On est chez Vêtements Classiques. Christine Perrollet qui a déménagé. 35 ans de métier, la maison du caoutchouc. Oui. Merci, Julie, de votre accueil. De rien. Voilà, Christine, la reine des santons. C'est du cannabis, ça? Non, c'est l'avocat. C'est quoi? Un avocat. Ah, un avocat. Un ah, mais David, il fait du repassage aussi. Il va venir me repasser un peu mes chemises, hein. Merci Christine de votre accueil. De rien.